Bonjour à tous, ici Raven de la Team TK. Dans notre monde, nous sommes souvent confrontés à des événements particuliers montrant la puissance de Dame Nature. Dans celui de Monster Hunter, nous allons voir en quoi consistent ces événements, comment ils sont liés aux différents monstres, et comment les habitants ont fait pour survivre jusqu'ici. Ces phénomènes, provoqués par des monstres, sont en général des catastrophes souvent imprévisibles, qui ne peuvent être expliquées facilement. Nous avons vu dans un précédent épisode que les dragons anciens, de par leur grande énergie draconique, perturbaient le climat, provoquant différents cataclysmes à travers le monde. Tout d'abord, les orages. Phénomène classique dans le monde réel, les orages peuvent être causés par la présence de monstres puissants, le plus souvent des dragons anciens. On a par exemple le Daora, le Kirin ou encore le Namil. Dans les régions désertiques, nous pouvons trouver des tempêtes de sable. Ces événements peuvent être causés par certains monstres pouvant créer de vents violents ou simplement par la présence du monstre lui-même. On peut noter la famille des Moranes ou le Tartaronis, mais aussi des monstres plus classiques comme la Barrière des Sables. A l'opposé, dans les régions enneigées, nous avons les blizzards. De par la nature des monstres pouvant le causer, ce phénomène est imprévisible. Les tempêtes en question peuvent être assez sévères au point que certaines créatures gèlent sur place sans crier gare comme avec la Velkana. Même les chasseurs sont parfois figés sur place s'ils se tiennent juste au milieu du blizzard. Il y a aussi les tremblements de terre provoqués par la traversée de certains monstres qui errent d'un endroit à un autre ou même par un simple frottement de la corne du dit monstre sur une île comme lors de la catastrophe du village Moga avec le Naval Deus. Cependant, le mouvement des plaques tectoniques n'est pas un phénomène très courant dans le monde de Monster Hunter, mais lorsqu'il est provoqué, une déformation de la croûte environnementale se produit, conduisant à la modification du paysage. Accompagné de nombreux séismes, il devient difficile de déterminer la cause réelle d'un mouvement des plaques comme avec le Shara Ishvalda. Bien sûr, qui dit séisme dit tsunami. Bien qu'il soit rare, ce phénomène n'en reste pas moins destructeur. Il se produit généralement après un tremblement de terre dont l'intensité détermine la puissance de la vague. Les tsunamis qui ont été signalés sont responsables de la destruction de certaines petites îles. Au fur et à mesure, les scientifiques ont vu que les catastrophes pouvaient être liées à plusieurs monstres, rendant l'identification de ces derniers difficile. Cependant, certains phénomènes sont tellement uniques que lorsqu'ils se produisent, on connaît immédiatement l'identité de la créature. La désertification, par exemple, n'a été observée que par le Nefu Garumudo lorsqu'il a transformé rapidement une oasis en désert aride. Les monstres peuvent également influencer la physique du monde, comme le Ruko Diora ou la Stalos Prince Orage avec le magnétisme. Les monstres l'utilisent pour repousser les ennemis ou les attirer, ils peuvent même l'utiliser pour aider à se construire une armure comme avec le Diorex. Parfois, dans certaines régions du globe, des pics de chaleur inhabituels sont observés. C'est ce qu'on appelle une canicule. Elles sont connues pour rendre les environnements de plus en plus arides que d'habitude, rendant progressivement la vie difficile dans ces régions. Heureusement, peu de monstres sont capables de les provoquer, mais on peut tout de même en noter de très dangereux comme le couple Théostral ou Nastra. Il a également été observé une croissance rapide et anormale de la végétation. Ce phénomène extrêmement rare fait pousser les plantes à des vitesses incroyables dont les monstres se servent pour piéger ou attaquer leurs proies. Pour l'instant, il n'a été observé que sur des monstres anciens comme le Leishen et l'Inagami, mais il est à noter qu'une créature proche du Tamamitsune, probablement un de ses ancêtres, a été retrouvée proche de plantes qui ne poussaient pas dans cette région du monde. Il existe également un phénomène encore plus rare qui sont la chute de météores. On ignore comment, mais certains monstres sont capables de faire pleuvoir des météorites. Il est possible que le draconium puisse agir comme un puissant aimant pouvant attirer des roches extraterrestres. Dans de rares cas, les monstres eux-mêmes peuvent se déplacer si vite qu'ils sont littéralement une comète dans le ciel, pouvant faire tomber de gros objets tels que des dirigeables. Nous avons expliqué dernièrement en quoi l'influence des dragons anciens était déterminante sur la stabilité et l'équilibre du monde. Si l'un d'entre eux décidait de migrer à un endroit, il entraînait avec lui de nombreuses perturbations écologiques. Les attaques ou la présence de certains monstres pouvaient amener d'autres monstres à s'exiler, entraînant l'apparition d'un grand nombre de créatures particulièrement agitées dans des endroits inattendus ou empiétant sur les établissements humains. De telles activités pouvaient donc parfois faire sortir des monstres inconnus de leur cachette, perturbant davantage l'écosystème local. Ces migrations pouvaient être spontanées ou se produire régulièrement comme avec la traversée des anciens. Parfois, cet exode forcé des créatures peut être causé par un changement brutal de température. Il s'agit d'un phénomène rare qui peut être contrôlé par certains des dragons les plus puissants, capables de contrôler les températures de leur environnement. Cependant, peu ont réellement un contrôle total et un excès de cette capacité peut entraîner leur mort, ou leur résurrection comme dans le cas du Dissufula. D'un côté plus frais, nous avons la brume, un événement que l'on observe le plus souvent dans les jungles et les marécages. Elle perturbe la vision de l'environnement, permettant à des monstres de se cacher soit d'un prédateur, soit pour attaquer. L'exemple le plus notable est le Chameleos, le dragon des cattes, mais aussi le Valazak Fléau avec ses spores pour se protéger des rayons du soleil. Cela permet également d'aborder le thème de l'épidémie, une propagation mortelle d'un agent infectieux. Elle peut affecter toutes les créatures, y compris des
chasseurs et des monstres. L'agent peut se propager de façon aérienne, telle que des poussières ou des virus. La particularité de ces micro-organismes est qu'ils puissent faire entrer les infectés dans un état de rage constante, si bien qu'en général, ils provoquent la mort de l'hôte. D'autres peuvent carrément en ramener à la vie et créer une véritable armée de zombies contrôlée par le dragon. Mais étrangement, il semble que les dragons anciens possèdent un système immunitaire suffisamment puissant pour ne pas être affectés. Certaines créatures possédant une quantité astronomique et maîtrisée de draconium peuvent créer une brèche dans l'espace-temps et provenir d'univers parallèles par des accidents étranges. Ces monstres peuvent également être accompagnés d'autres créatures de leur monde natal et perturber l'équilibre naturel. Certes, il pourrait s'agir d'easter eggs de la part des développeurs, à l'exception près, il existe pour le moment un monstre capable de créer ce genre de phénomène. Mais l'événement le plus rare dans le monde de Monster Hunter ne pouvant être causé que par les dragons noirs et la destruction pure et simple du monde. Là où certains dragons devraient se mettre à plusieurs pour espérer causer une extinction de masse, il existe une poignée de créatures capables de causer à eux seuls la fin du monde. Certains peuvent facilement brûler la surface du globe en quelques jours, tandis que d'autres peuvent provoquer plusieurs catastrophes naturelles en même temps. Le plus étrange est qu'ils ne semblent pas animés par la destruction comme ce qui peut être raconté dans la plupart des légendes. Ils semblent plus être animés par un désir d'équilibre par la destruction. Lorsqu'un point de non-retour est sur le point d'être franchi par des créatures perturbant l'écologie, la nature finit par s'auto-réguler par l'action des dragons noirs. Le fataliste, ayant vu les dégâts de l'ancienne civilisation et l'Equal Dragon Weapon, décida de les exterminer. Et lorsque le Saphir Jiva s'éveilla, il éveilla également le fataliste, provoquant la migration forcée de l'Alatreon vers le nid du Saphir Jiva. C'est par l'étude de ces phénomènes que la guilde arrive à prévenir certaines attaques de monstres et à évacuer si nécessaire les habitants des villages alentours qui risqueraient d'être blessés. Bien évidemment, il reste de nombreuses découvertes à faire et même si les phénomènes sont connus, rien ne garantit qu'il s'agit de tel ou tel monstre. J'espère que cet épisode du lore vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et en attendant la prochaine, je vous dis bonne chasse.